Restez là. On va aller à Valérie Plante. Il semble qu'elle ait trouvé une solution dans le dossier des terrasses. Elle est sur la rue Peel. Oui, 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 oui. Tout est fait. On va les rouvrir, les terrasses avec ça des a chapiteaux. Failli commencer. Elle était au... Oui, bon, voilà. Merci d'être présent pour un moment qui est important puis qu'on attendait tous. Les Montréalais... très, très nombreux à avoir souhaité une conclusion heureuse, dont bien sûr notre administration. Permettez-moi de nommer ceux qui m'accompagnent. Tout d'abord, M. Alain Croton, qui est le propriétaire de chez Alexandre, mais qui sera aussi aujourd'hui le porte-parole pour l'ensemble des restaurants qui ont une terrasse ici, là, avec un chapiteau sur la rue Peel. Mon collègue Robert Baudry, qui est élu au sein de l'arrondissement de Ville-Marie et responsable également de l'urbanisme et de l'itinérance, et M. Martin Prudhomme, qui est le directeur général adjoint en charge, qui s'occupe de... La bonne nouvelle, c'est que, et vous savez, je l'ai dit à maintes reprises, ma préoccupation première pour notre administration, c'est de savoir comment réouvrir les terrasses sur pile le plus rapidement possible, sans demander aux restaurants de refaire une autre terrasse. On se disait, là, il faut que ça ouvre rapidement. Ils ont assez souffert de la situation et on a vu évidemment l'impact que ça a eu sur la clientèle des différents établissements sur pile, mais ça l'a aussi porté atteinte à la réputation, la façon dont ça s'est passé. Je tiens à le réitérer. Je pense qu'ici, il y a un consensus, et les Montréalais aussi vont le dire, on veut que les mesures de sécurité soient respectées, mais la façon d'appliquer ces mesures de sécurité-là ou tout autre problème qui peut se produire avec une terrasse ou un restaurateur ou un tendancier de bar, il y a une façon de faire. Et c'est vraiment ce qui a été mis, ce qu'on a voulu mettre de l'avant également avec la présence de M. Prudhomme qui va en parler dans quelques minutes. Du travail, ce à quoi on aspire pour l'ensemble de la fonction publique, de travailler avec bienveillance en faisant de l'accompagnement comme on l'a toujours fait, mais que clairement, ce n'était pas un bon exemple à donner vendredi soir. Donc, la solution, c'est que pour ne pas demander aux restaurateurs de refaire de nouvelles terrasses, on a décidé d'enlever des places de stationnement pour que le 3 mètres du bâtiment soit respecté et qu'ils puissent vraiment s'installer en bonne et due forme, tout en assurant, bien sûr, la circulation des véhicules de façon sécuritaire. Le marquage est déjà commencé. On a eu des échanges avec l'ensemble des partenaires tout autour. On va garder également un débarcadère pour les cours Mont-Royal au niveau de l'accessibilité et pour la livraison. Mais évidemment, c'est la solution la plus simple. Je vous l'avais dit en début de semaine aussi, cette solution-là, je voulais la tester avec les restaurateurs en premier. Je voulais s'assurer que ça tenait la route. La décision est prise. Alors, bien sûr, ce sera aux différents établissements selon leur rapidité à pouvoir bouger la terrasse, réinstaller les chapiteaux. Et M. Croton nous disait que lundi, pour sa part, là, ce sera fait du côté de Ferreira. Ils auront aussi à décider, mais l'idée, c'est qu'on veut le plus tôt le mieux. Là-dessus, je vais laisser M. Croton peut-être nous dire par rapport à... Ah, voilà, donc on va enlever quelques places de stationnement pour libérer de l'espace en profondeur et donc permettre d'éloigner un petit peu la terrasse du bâtiment, respecter, aller chercher les 52 cm manquants et on va pouvoir rouvrir les terrasses sur la rue Peel.